Et de Benzema. Ah oh non, putain, c'est encore mal payé. c'est Oh, pas vrai. insupportable. Mais de toute façon, on peut pas bien payer. Ça nous ajoute que 3 manas noires en engageant. Ah si, on pouvait avoir un mana de plus. Bon, bah, il concède. Je prends. Quoi? Je prends. Comment? Parce que monsieur joue méta, mais on va lui apprendre. On va l'apprendre. Mahou Tu vas leur Shoujo, montrer qui et c'est qui va gagner, quoi. il leur apprend. Écoute, est-ce qu'on se présenterait pas là? C'est ton ami, ça? C'est ton ami qui veut te pousser? Sais même pas dans quoi c'est, mais ça me fait rire. C'est une autre vidéo. Ah ouais. Là, c'est vraiment un entraîneur. En fait, le premier, c'est C'est un pas dans joueur, c'est le capitaine. Présentez-vous, quoi. Non, présentez-vous, c'est le capitaine. Et là, c'est un entraîneur Il l'avait qui vraiment. coach, qui pousse comme ça, qui met des tartes à des mecs qui font 1m80, 100 kg. Rugbyman, quoi. Solide. Ouais, Et, même plus que 100 euh, kilos. ou voire plus, même, ça dépend le poste, quoi. Et les mecs, ils bougent pas, tu vois. Respect. Ils savent que s'ils bougent, terminé. Talendé ou pas? Ouais, j'ai landé. Merde. Et mince. Qu'est-ce qui t'a pris, Val? On va juste jouer ça, hein, à gagner après. Non, mais ramène un vrai chat. Pour. Du cimetière pour piocher encore. Pour piocher? Ah, on peut encore trouver loup, t'as raison. Ouais. Ok. Il saute sur la queue 7 et prout. Oh, un troll dans les cachots, je voulais vous prévenir. Un troll dans les cachots. Il est où ce loup là? Je voulais juste vous prévenir. Bon, en même temps, il y a trop au cimetière, on savait même pas. Ils se sont faufilés, tu sais. Ils sont Sont fait. sortis du Eh, venez lac. les mecs, on va dans le cimetière là, comme ça. Fumer des clopes et boire du coca. Qu'est-ce que vous faites les loups? Oh merde! Et ils décampent comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben, balance donc la Chandra, hein, il nous met pas de pression, on fait Chandra plus 1 et c'est ça qui est bon. C'est fou, hein. Non mais vraiment, c'est. C'est dingue. Et il se fout de notre gueule en fait. Il se fout de votre gueule! Attends, il est où? C'est ton ami lui? Il se fout de votre gueule! Voilà. Ah, s'il a laser gas, par contre, je rage. Bon, ça va. Plus un? Plus un. On va gagner comme ça, hein, de toute Je façon. l'apprécie encore. Maintenant, on sait qu'on n'a plus qu'à Mais survivre. si on se la met pas dans la boîte. Mais attends, mais je reste up, mais je suis con. Ça sert à rien. Non, mais même. Alors, juste, c'est fou qu'il te propose pas Ouais. de garder le bleu, quoi. Bah, il me propose un rouge pour choc, ok. Mais après, il me propose le blanc pour rien, ça Ouais. c'est. Saperlipopette. 21. C'est nul ce qu'on fait. On Ouais, passe j'ai de pas encore. 21 à 5 tous les tours et à un moment il va nous tuer, lui il met une bête partout. Oui! Faut activer Golos là le tour Mais Golos, si d'après. je l'activais là, c'était 4 landes. Oui. Golos, il aurait fait. Ça, il aurait fait Golos. Et nous, on aurait fait ça. En même temps, putain, pourquoi on joue contre ça? Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou? Écoute, ça va très très bien et toi? Ça va très très bien. On va découvrir une touche magique sur mon clavier, voilà. Et quand il appuie, je pète, c'est dingue. Exactement, c'est fou. Test. Voilà. Voilà. Si vous découvrez notre chaîne avec cette vidéo, Regardez voilà, d'autres vidéos, s'il vous c'était plaît. un très bon extrait de tout ce qu'on fait en général. Aujourd'hui, on va vous parler de plein de choses. Notre chaîne, c'est un peu un prout qui sent bon. Ouais, c'est ça, c'est. Oh, et après. Oh! Ah, j'aime bien. Ouais, finalement, ça va. C'est dur de trouver la fenêtre hein, contre lui. Hein. C'est un poil lent, ça fait gagner le late game, mais Ou alors le Ionize. est-ce qu'en fait le late game on l'a juste pas? C'est ça qu'il faut acter? Soit le Gadwick, soit le Ionize, pour moi. Je suis partant pour les deux. J'enlève les deux, on joue à Le 59. compromis Et nul, on se fait disqualifier. ça serait de jouer un Gadnize. Et mais là, en fait, c'est un demi-compromis. Et on peut pas faire ça. Peut pas faire un C'est card. quoi? On va enlever un de chaque et on met un balayage. Non, 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 ça c'est Ah, pas là, là. bien. Ah, en vrai, choc, ça tue les machins, là. Vas-y, on va enlever un tchak. Regarde, je mets deux chocs, Non, j'enlève un de pas. chaque. Bah non, mais il faut quand même enlever un choc. Merde. Je mets un choc et j'enlève un de chaque. Vas-y, ok. Voilà, le C'est le compromis compromis nul, vous nul. aimez bien. Le choc one slot qui va faire le taf, mais de ouf. Il va carry, c'est ça un choc létal, je Si l'annonce. des joueurs pro regardent cette vidéo, désolé de cette technique de side. Non. Une game de B1, ça coûte quoi, Vol? Non, non, non. Viens, j'essaie. Je peux? Et si tu penses faire mieux? Non, Ça va franchement, non. m'énerver hein, si ça marche. Hein. Si tu vois que ça marche, laisse-moi la souris, s'il te plaît. Ouais, ça va. Je veux faire ça, là. Ok, ça va. Les decks combo cherchent à lancer des sorts qui fonctionnent en synergie afin de produire des effets puissants. Oui, mais il faut pas jouer de contre dans ce Zach, non, c'est cas-là. pas cherche à lancer, c'est cherche et lance. C'est-à-dire. Et ensuite. Tu vois? Tu pioches, comme ça. Boum. Et hop, tu distribues.
Oh, elle est trop bien cette main. Pas vraiment. Si on bat ce que fait cet homme, c'est-à-dire on bat la value de l'infini avec des vieux chats. C'est-à-dire gagner un million de PV et piocher un million de cartes. Après, on va les clouer au sol et les bloquer, hein, ces trucs. Mec, on est trop bien. Non, c'est pas des trucs, c'est des merdes. La double, là. Le truc, là. Ouais, avec caca. C'est ce que ça. C'est Pouf. C'est ce que ça me fait, Krasis. Ça m'emmerde. Ça me le débong. Avec un G à la fin. Oh putain, il a 10 fins de tour. Il est pas prêt. Pop, 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 pop. Tu me fais penser à mes potes quand j'étais jeune qui se moquaient de moi. Les gens se moquaient de Magic parce que déjà ils étaient bêtes. Parce qu'ils ne connaissaient pas le meilleur jeu de tous les temps. Mais en fait, pour se moquer, ils me citaient le nom des cartes. Je vois très bien et c'est extrêmement désagréable. Tu vois ou pas? Et c'est ouais. En mode. Nique-toi en genre, fait. Alors, avec ton sphinx espion de la cité, tu t'amuses bien? Ben ouais, gros, je prends un max de plaisir et ce depuis 20 ans. Oui, salaud. Voilà. Et ton mec. Restaurateur Loxodon, il a un restaurant. Voilà. On a Pillard. Vas-y, mets-lui tout dans la bouche là. Je mets 3. Comme quoi, fallait pas gérer ces bêtes. Hein. Non. On aurait dû aller tout droit. Ouais, là, vu qu'on est à 1 et qu'on est bien. Petite leçon pour les débutants, regardez, vous mettez un stop à l'upkeep. Vous faites pas d'attaque, terminez le tour, et à son upkeep, vous faites opt. Tu lui laisses pas le luxe de te tuer, tu choisis ta mort, toi, de te tuer. Vous faites résolution, et là, paf, vous explosez. Vous voyez ? Très important de faire ça. C'est comme ça qu'on fait, c'est les plus grands perdent comme ça. Parce que là, techniquement, on a tué une personne, donc c'est un peu comme si on avait gagné, tu vois. Même si on s'est tué. Un point. Bon, faut juste un petit food. Voilà, super. Continuez de faire ça, c'est génial. Gros, Saturaste, on en a plein les couilles. Ouais. Plein les couilles de ça. Parce qu'on en a mangé. Et c'était bien. Mais c'est trop. Ouais, quand t'as un side, je m'en fous de jouer contre ça, tu vois. Quand là, j'ai pas de side et que j'essaye de faire une combo. Juste mes 4 Ceratops. Mais juste, hein. Ma merde. Il a 2 millions de mana. Il veut faire un summum, ça va être fini en fait. Oui, mais il l'a peut-être pas son summum. Oui. Électromancien, donc faut espérer qu'il l'ait pas dans les 26 prochains tours. On peut attaquer avec ce 4-4 dans TF aussi et l'obliger à trade ici. Ouais, vas-y. C'est gratuit en tout cas. D'ailleurs, lui il attaque jamais parce qu'il veut jamais nous rendre kickard. Donc on est. Ok, on est pas bien, mais on n'est pas si mal. Merde. Il a peut-être pas son summon blanc. Bah, il a un Trix du coup. Il s'arrête jamais lui. Hein. Je vais aller chez lui à Chien Jazz. Je vais dire vas-y, pose ta souris là. Arrête de le faire ça. Ouais, pose ça tout de suite. Baisse ton arme, Chien Jazz. Fais pas le con. T'es encerclé. Ta vie devant toi. Tu veux plus sortir. Ah non, mais il est insupportable quoi. Quand même. Se battre à ce point comme ça. C'est rigolo. C'était bien ça. Ah, il l'a fait trop tôt. Oups. Je pense qu'un bien joué. L'adversaire. Un bien joué s'impose. Ah, je dis joli moi. Fou. Faut pas me faire ça, mon cœur. Moi, c'est le genre de game où j'ai rangé mes cartes. Et le mec me dit, mais non. Et ben voilà, pas encore. Trop tard, j'ai rangé mes cartes. Oh, c'était fou, quoi. Oh, c'est dingue. Bon, il est quand même pas évident, ce deck. Hein. Non. Faut quand même se battre avec ça. Il est vraiment pas évident. Par contre, je pense que le mec est super déçu de faire cette game. Par contre, quand tu bats ta mana base, en fait, déroule, quoi. C'est ça qui est bon avec ce deck, c'est l'impression de gagner deux games alors que t'en as gagné qu'une. Oui, c'est parce que t'as battu le deck comme ça. Et t'as battu l'adversaire comme ça. Il faut le mater, mais peut-être que Kanyukuru, il s'est pas préparé en jouant contre des adversaires. Il a mis des coups de fouet à son deck pendant 2 mois, tu vois. Il l'a maté. Il s'est enfermé dans une salle avec son deck. Tel le lion au cirque, tu vois. Exactement. Ce qui n'existe plus d'ailleurs, parce que c'est pas bien de maltraiter les animaux. Ouais, surtout pas faire ça. Les cirques ne. Petite info, hein. Oui, c'est vrai, c'est interdit, ouais. Mais lui, voilà, il a essayé de mater le deck, tu vois. Mais ouais, c'est genre. Enfermé, pas de lumière, mano mano, tu vois. 1v1. Bam, bam. Et il a chopé les patounes, tu vois, du deck comme ça. Et puis il l'a couché et ça fait. Et du coup son deck sortait de manière correcte quoi. Ouais. Parce que nous le mec a dit ok. Mais tu vois on l'a un peu maté entre la première et la deuxième game. Hein. Mais ça c'est genre dans les trucs en mode Eragon et tout, c'est le dragon qui est trop noble, tu vois, ce deck, mais qui accepte tu vois pour il accepte dans un but le propriétaire. Commun, il accepte propriétaire mais il peut à tout moment le manger, tu vois. Ouais, mais ouais. Il lui dit mais je t'accepte pour le moment. C'est vrai. Et ben, c'est exactement très, ce deck. Très bon roman d'ailleurs. Ah ouais, Dragon. Ouais bah, je sais pas, beaucoup. J'ai vu que le film horrible. La suite que j'ai jamais. Horrible ce film, attention, hein. Vraiment c'est une erreur. C'est le Dragon Ball Evolution des Dragons. Hein. Du coup, est-ce que j'ai envie de caler un drop 1 à un moment donné? Non, t'as peut-être plus envie d'aller chercher Karn. Karn, ouais. Bah là, Karn, j'ai très envie d'aller le chercher. J'ai. Bref.
Les pires. Janonyme. The worst. Il s'appelle Janonyme. The worst. Oh. The world. Oh. J'ai arrêté le temps 7 secondes. Oh, il a bougé. Ouais, il joue bien ça, quoi. C'est un coquin, quand même. Hein. Oui. Il est coquin, lui. Hein. Oh, putain. Action. Reaction. Oh, là, il a un contre, tu sais. C'est vraiment le pire. Ah oui, ça fait 4 sur tes créatures, pas 6, donc ça ne tue pas le cavalier. Les deux. Bah ouais, tu as dit qu'il fallait garder la carte au moment où j'ai cliqué dessus. Alors que c'était vraiment bien, en fait. Bref. Mille excuses. Eh, écoute. C'est pas fou, hein, ce qui s'est passé. Attends, attends, viens, je mets une phase de sauce. De sauce. Bah, il va engager toutes tes bêtes, là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, 11 malins. Merde, voilà. Allez, bien joué, Ali. GG. Il peut pas stopper la machine, en fait. Franchement, là, c'est déjà trop avancé pour lui. En fait, c'est le mec qui a mis un bâton dans les rayons d'un vélo. Et le bâton a été broyé. Le bâton, c'est cassé. Et il était coupé net. Un katana, le rayon du vélo. Et le bâton était un bambou. Ce serait stylé, ça, les rayons d'un vélo, ce soit des lames de katana. C'était... Bon, le vélo serait un peu lourd et ce serait juste un instrument de mort. Mais ce serait stylé. Genre, tu passes ton doigt, c'est une claquille, quoi. Genre, tu sais, tu te détends un peu les jambes, hop, hop là, la cheville. T'as perdu deux pointures. Ah là là, c'est bien pour ceux qui chaussent du 50 qui trouvent pas de chaussures sur le marché. J'avais ma taille, quoi. J'allais faire du vélo. Mais voilà. Tu te fais raboter le pied gratuit. C'est pas mal, quand même. Parce que raboter quelque chose, c'est du travail, tu vois. Après, quand tu fais du 50, l'upgrade, c'est que t'as pas besoin de ski. Ouais, c'est sûr. Donc, si t'es un mec qui fait pas mal de montagne, t'es content. Tu peux te dire, ouais, je vais galérer à trouver des pompes. Tu rentabilises quand même pas sur l'année, quoi. Ça dépend combien t'achètes de chaussures par ça an. Ça dépend tes goûts. Hein. Si t'aimes pas les chaussures, mais que t'adores le ski. À un moment, faut les changer, même si tu les aimes pas, les chaussures, tu vois. Ouais. Rien que l'odeur, tu vois.